مهرجان الحمامات الدولي في دورته 55 يقدم يقدم Thank you.
Humble, c'est un projet, c'est mon deuxième projet en tant que leader. C'est grâce un peu à la fondation Rambour et à Aouni, elle m'a produit pour enregistrer le disque. Donc, le projet RE, c'est un projet de sextet, c'est une série. Donc, j'ai enregistré le disque avec Yasmine, avec Paul Kessin. Yasmine, c'est un nouveau membre du projet, si je peux dire. Donc, Lyuma, c'était un concert spécial, un festival très très spécial avec une très belle pleine lune, Fournette aux Zélande. Donc, personnellement, en Malte, kiff, où j'ai passé une très belle soirée, j'espère le public aussi. Donc, on a partagé avec vous un projet réel. Moi, Yassine Bonares, c'est la première fois qu'il y a un projet réel. Et on a préparé les musiques en deux jours. C'est pas facile. Donc, merci de nous avoir invités au festival. Merci. C'est grâce à ce genre de festival, Nahna, musicien tunisien, c'est grâce à ces festivals, je me suis d'arrivé, je me suis partagé une création interne, une musique interne. C'est un projet jazz, où l'approche, où le fait qu'il y a et faire de la musique jazz, sans pour autant être obligé d'intégrer, je suis pas obligé d'intégrer les instruments orientaux, canon, out. L'idée, c'est de faire une musique purement jazz et purement tunisienne à la fois. C'est un challenge. Ça y est, très vite, et je savais très bien que c'est un challenge. L'idée au début, c'est de partager la musique avec mes amis, avec plusieurs musiciens, et de montrer aussi, c'est d'exporter le projet, ce qui est important pour un projet tunisien d'être exporté. C'est important de pouvoir trouver des gens qui jouent et tout. C'est juste les mêmes jouent d'abord. Les mêmes jouent ou les mêmes. On a une scène nouvelle, خلقت ما عندهاش برشا. Il y a du potentiel, Fitons. Il y a du potentiel de beaucoup de super musiciens qui nous dessinent, qui nous tournent, qui nous amènent plus bas. Mais dis, mais il y a déjà Tunis pour aider cette petite chaîne, il n'est pas tech vers le chercheur. Donc, Yasmine aussi. Donc, je les remercie de m'avoir supporté et d'être avec moi sur ce chemin. Donc, nous, le public, public jazz, les cas on a plusieurs festivals, les festivals internationaux qui m'ont ramené, qui m'ont partagé, ils acceptent le jazz. Pas joué par des internationaux, mais par des musiciens tunisiens, les clubs, musique est très important dans le jazz, on est un membre de l'école, donc ça c'est important et j'invite tout le monde à venir supporter ce genre de scène et pas de technique. Justement, tu as dit Omar le jazz qui tourne sur la scène jadida اللي قاعده تكبر بشويه بشويه اللي فما public فما ودن معناها هو اللي تسمع وتمن بالجاز التونسي على خاطر جينيرالمون وقت اللي يقولوا جاز برشا عبيد لا ماجوريتي اللي ياسر يمشيوا للروجيستر كلاسيك وما يصدقش ياسر ولا ما يمنش ياسر بان بروجي تونسي مي باغ كونتر عم قاعد يشوف في اشاك فوا في كل عرض البوبليك نتاعو قاعد يزيد وقاعد يعيش في المود هذا. احنا راح حكينا على البارتي بوزيتيف خلينا نقول نتاع سين الجاز في تونس اكيد لازم يكونوا فما هكا كيلكو اوبستاكل ولا انت كارتيست معناها كنت لاحظتهم في تونس في السين ميوزيكال هذيا في الجاز شنو هي بوتيتر المشكله ولا العائق الكبير اللي يظهر لك معناها قاعدين يقابلوا فيه لي ارتيست جدد. والله مشكلة سي انا احنا اون لا بوزيتيفي اي جو بونس انا حسب رايي ان تانك ميوزيسيان لوكال وقاعد نخدم اكثر في السين لوكال بالعكس يا بلوس دو بوان بوزيتيف كو نيجاتيف على خاطر قاعدين نجم وانا واحد من الناس جي انجستري ان ديسك من تونس جو كري في تونس جي انجستري برا بون سي فري كي انا
petit manque technique dans le sens, pas de studio d'enregistrement, du tout, tu peux enregistrer un vrai disque, au sens du terme, ça n'avait rien à personne. Mais le potentiel est là, l'intention elle est là. C'est un challenge ou pas un challenge, mais c'est. Ou le fait que pas d'être pas donc ça c'est positif. Donc le point négatif, je pense qu'il n'y a pas beaucoup. Ou tout aussi, le plus important c'est que l'auditeur tunisien il accepte le jazz. Ou nous habitons sur la scène jazz, c'est qui la scène new-yorkaise des années 50. Nous êtes plus d'être. Donc il faut lui laisser le temps, aller à l'ordre pour qu'elle se développe. On a commencé à faire des concerts à Nes. On a 5 ou 6 festivals de jazz à l'arabe, ce qui est bon signe. Donc pour moi, la scène tunisienne, Sarroun, elle n'est pas classique, mais on peut dire underground, il n'y a pas de tout ce que je veux jouer. Donc, je pense d'ici 5 ans, on peut avoir notre North Sea Jazz, notre gros festival. Donc, et le plus important, c'est qu'il faut supporter les jeunes, il faut supporter ces petits projets. Les Houma, c'est pas l'avenir, mais Houma, t'as su le blé de Bara. Donc il faut les supporter et il faut que ce genre de festival place le projet là-dedans parce que c'est la musique. Exact. Pour moi, je crois que c'est ce que j'adore dans la musique de Omar, c'est qu'il y a des beaucoup de parties très écrites, un peu comme un compositeur classique, où il y a ce minimum, on est en contrepoint et notamment soprano voix, c'est des moments assez magiques. Ou notamment sur la dernière balade, on se retrouve à l'unisson et puis après on se sépare. C'est des moments assez magiques comme musicien et je pense aussi pour le public. Et puis après, il y a des moments de liberté totale sur des standards, mais aussi dans l'improvisation. Et Omar, dans son écriture, il arrive à faire ça, à passer à nous donner la liberté, à nous donner ces opportunités. Parce que pour la question d'avant, le jazz c'est une musique de liberté, c'est une musique qui demande aux auditeurs et aux musiciens d'avoir de l'imagination. On peut pas tout servir sur un plateau quand on fait du jazz, et du coup je pense que quand on a des compositeurs, des super compositeurs comme Omar, qui arrivent à prendre les gens par la main et à un moment leur dire ah, attention ça va être le vide, et vous allez devoir imaginer ce qui se passe, parce que je ne vais pas tout vous prémâcher. Je trouve ça assez magique. Quand on a la chance d'avoir des beaux compositeurs et des bons instrumentistes comme ça, effectivement, il faut les représenter plus. Voilà, merci. Assalamu. Donc, je vais vous dire un petit saha vraiment Omar pour ce spectacle. Et voilà, ça me fait vraiment plaisir. Vraiment, il a abdé le projet, il a abdé ma, il a dit Mundar, il a dit Yasmin, il a dit Esmachna, il a dit que c'était une mélodie, il a dit des paroles. Franchement, c'est un chemin à Mahlea, le chemin à Khatrabdina Mabadna, il a dit que c'était une mélodie. C'est très bien. Je suis très d'accord avec Yassine sur les moments où on se retrouve tous ensemble. Les morceaux qui nous servent, les thèmes en marque, avec la renée de Yassine qui allait à Wartli, on a le contrepoint. Il a écrit ça pour sa femme, donc vraiment, grâce à la mélodie, il est très, très intime. Ou Tesla le contrepoint à Noyesin, donc je trouve que la mélodie est très très jolie aussi. Donc avec pareil. Merci beaucoup, le trio jazz. N'installez-vous qu'on vient l'autre projet, peut-être par Rambel ou elle a fait Rambel, touche je dis à côté. Alors, vous, on est pas les atteints des scoops, on a vu des oubliés. Bien sûr. C'est un tout ma canne pour les scoops encore. Je vais vous régaler là. Donc Abdel, il va finalement sortir, il va être exporté. Donc là, je suis en négociation sur une petite tournée à Fubéris. Ça va être au mois de septembre ou octobre.
Donc, j'espère que ce projet irruge ou il s'exporte. Donc, qui m'a dit que je vais tout ça, que je suis en train de tout interner, mais je vais aller avec les clubs du Berry, sur les festivals. Donc, cette année, il y aura des dates. Charles va rentrer, il y aura peut-être de nouveaux projets. Ma Yassine, ma Yasmine, ma notre trompettiste, dans le donc. Donc il y aura entre 2 et 4 concerts qui feront ça, Inch'Allah. Notamment aux aides à faire Maison Tunisie, c'est une adresse très importante pour les Tunisiens qui feront ça, ils nous aident beaucoup. Donc fait le rentrer, Inch'Allah, il y aura de nouveaux projets au Stade Arab, la 56e édition aux aides. Merci beaucoup.